En ce moment, je suis sur une nouvelle série d'après l'autre. Je me sers des peintres classiques pour y mettre mes propres interrogations, mes propres rapports à la peinture. La peinture, c'est une image, mais c'est aussi de la peinture. C'est à la fois une fenêtre, c'est-à-dire quelque chose qui est identifiable, et aussi une surface. Donc la surface serait la peinture matière, et la fenêtre, la peinture sujet. Et comment faire cohabiter ça? Comment composer avec des textures sur une image ou sur une narration? Voilà. C'est l'idée vraiment que la matière enrichit l'image de façon à lui faire cracher autre chose, des fois, que ce qu'elle raconte en tant qu'image. Je suis persuadé que la magie d'une bonne toile découle de la surprise et la capacité à se surprendre en peignant. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse se dire « ça aurait pu être beau ». Donc, c'est là-dessus que j'essaie de garder une certaine tension dans ce travail, de façon à convoquer des sentiments de regret aussi. Assez naturellement, j'ai abordé des problèmes politiques ou sociétals ou écologiques. Essayer d'interroger mon rapport au monde, mon rapport à l'environnement, le rapport qu'on peut avoir conflictuel avec un paysage qui est à la fois quelque chose de beau et de dégradé. Je me suis attaché à essayer de mettre en place un langage ou une façon de penser la peinture qui soit dans l'attitude plus contemporaine. Je fonctionne beaucoup aussi comme un collectionneur, c'est-à-dire je fais toujours la toile qui me manque et j'agrandis sans cesse un territoire. Tiens, ça j'ai pas fait, ça j'aimerais bien essayer, et j'essaye comme ça de pousser un peu mon territoire, que je vois quelque chose qui s'étend. C'est la façon d'avoir recours à tous les possibles en peinture qui font qu'on lit le travail. Le geste violent, il se voit sur la toile, il y a la trace de ça. La façon de caresser la toile se ressent aussi. Vu que je parle en tous les sens, là où je raconte une histoire, c'est en associant les toiles. Il y a dans la toile, je compose avec des intentions, et dans l'exposition, je compose avec des histoires. Et j'essaie d'en raconter une autre. Que j'essaye de mettre en place depuis quelques années, je compose avec différents affects comme ça, qui me lient au paysage peint ou celui que j'ai envie de peindre. J'ai commencé à aborder les mouvements sociaux et les gilets jaunes. J'ai vu la possibilité de réinterroger le portrait, donc ce grand genre de la peinture. J'essayais vraiment de faire comme la police, de les malmener quand même. Et donc ça a donné une série d'une cinquantaine de petites toiles qui s'appelle les grimaces. Et face à ces grimaces, il fallait après développer d'autres portraits qui sont plus grands, plus importants, qui pourraient être des commandes faites par les nouveaux seigneurs de maintenant, c'est les puissants. Ce que j'appelle le puissant. Donc c'est moi ce qui m'intéresse, c'était la figure du puissant. Je ne vais pas prendre un puissant particulier. Donc ça interroge évidemment le portrait, mais la vanité aussi. Le puissant est à la fois malmené,
Voilà, c'est un acte de résistance, c'est un acte aussi de pour le peintre, c'est une irrévérence. Ça me plaisait bien. Finalement, c'est le seul pouvoir qu'a le peintre pour résister, c'est d'attaquer son propre métier. Les sources d'inspiration, elles sont autour de moi. J'habite à la campagne, donc c'est vrai que je vais peut-être plus facilement peindre des chasseurs que des machines industrielles, par exemple. Mes choix, ils sont aussi en relation avec la pratique des autres peintres. On est en dialogue, finalement, avec les autres peintres, les autres artistes, pas que les peintres, d'ailleurs. Je crois que les peintres peignent pour les autres peintres, en fait. Ce qui m'intéresse, oui, ce que j'aimerais bien, moi, c'est inventer quelque chose qui m'est propre, une attitude, parce que vu que tout a été fait en peinture, c'est pas dans la technique qu'on va trouver du neuf chez moi, mais plutôt dans la façon de les agencer, la façon de les combiner et de les associer. C'est en expérimentant qu'on découvre la peinture et elle est possible. Alors, il y a des grandes règles, évidemment, mais finalement, on n'en a pas fini d'interroger ce médium et c'est très bien. C'est comme on n'en a pas fini de faire des parties d'échecs. C'est des jeux qui sont tellement bien faits, comme la peinture est tellement bien faite, qu'elle permet de réinventer, même si les outils pour le faire ne sont pas neufs. L'artiste peintre, il a une fonction sociale qui est de montrer et surtout d'illustrer son temps. Je pense que c'est plus tard ça qu'on se rend compte qu'un travail illustre au mieux une époque. C'est pas à nous de le dire, c'est pas à nous de... Nous, on a à faire, il faut qu'on fasse. Et finalement, on est un peu comme des antennes. On capte des choses, malgré nous. Donc, on appartient forcément à notre époque. Enfin, forcément, si on a une réflexion autour de ce médium, oui, je pense qu'on finit par illustrer ce monde.